ici aujourd'hui, c'est la population de Goma. Nous avons deux messages essentiellement. Et le dernier sera un bonus à ce régime finissant. Le premier message, c'est de féliciter la CENI d'avoir joué son rôle, de proclamer Moïse Katumbi comme président, comme candidat parmi les 24 candidats, et qui est le numéro 3. Cette fois-ci, la CENI a joué un peu son rôle. Le deuxième message, c'est une mise en garde que nous donnons à la Cour constitutionnelle de ne pas oser, ok, de ne pas oser jouer le rôle de Tshisekedi. Et le rôle de Tshisekedi, c'est de valider certains candidats. Et si la Cour constitutionnelle osait seulement, là, ils vont regretter ce qu'ils vont faire. Ils vont regretter. Ils vont regretter et les perdants, ce sera eux, pas la population. Nous sommes un peuple non violent, nous sommes un peuple démocratique, nous sommes un peuple républicain, mais un peuple très exigeant. Moïse Katumbi, c'est le choix de l'espoir, c'est le choix de la population. Le troisième message, nous avions appris, et il y a certains candidats qui veulent porter plainte contre d'autres candidats. Ce sont des candidats de pacotille, ce sont des candidats qui sont manipulés par les régimes en place. Et la Cour constitutionnelle, si elle ose, malheureusement cette Cour va brûler ce pays. Et nous ne sommes pas prêts de jouer ce rôle. Et l'autre chose, c'est la population, de sanctionner ceux-là qui sont incapables de restaurer la sécurité. Ils ne méritent plus de nous diriger. Ils ne méritent plus de décider sur notre sort. Et pour nous, Moïse Katumbi, nous ne le soutenons pas parce qu'il est parmi les candidats, mais parce qu'il est le meilleur. Nous soutenons Katumbi parce qu'il incarne l'espoir. On nous a volé la peur, on ne doit jamais nous voler l'espoir et la foi. Les candidats de la réussite, c'est Katumbi. Les candidats de l'espoir, c'est Katumbi. Les candidats de la rupture, c'est Katumbi. Et Tshisekedi, il a peur de Katumbi. Tshisekedi, il a peur de la réussite. Et nous, si nous sommes réunis ici avec la population de Goma, c'est pour lancer ce message. Ce message de la rupture. Ce message de la colère. Ce message qui montre que nous voulons mieux parce que nous méritons mieux. Et tous ces jeunes, toutes ces mamans, tous ces papas qui sont ici, ils sont venus de différents coins, des environs, mais ils ne sont pas là parce qu'il manque à faire. Ils sont là parce qu'ils veulent qu'il y ait une rupture dans la gestion de la chose publique. Ce sont les gens qui se servent du Congo au lieu de servir les Congos. La CENI a fait preuve de maturité politique en essayant un peu de traiter les candidatures comme il se doit. Mais c'est vrai que ce n'est pas la fin, parce que on a juste publié les candidats provisoirement, comme on a fait à la députation nationale, et bientôt ça va être validé ou invalidé même pour certains au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc c'est-à-dire que la CENI a fait son travail, il reste que maintenant que aussi la Cour constitutionnelle essaie un peu de nettoyer, voir si les candidats qu'on a validés au niveau de la CENI sont éligibles. Heureusement que vous l'avez aussi remarqué, si l'opposition vraiment tenait à ce que le peuple congolais fasse confiance à eux, moi je pense qu'ils devaient se mettre comme un bloc, ils devaient se mettre ensemble pour que ils puissent battre le candidat de la majorité, si je peux le dire, à l'occurrence le Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est juste, je vais dire que c'est le passe d'or qu'on vient de donner aussi à Félix Tshisekedi. Écoutez, ça c'est une fuite en avance. Pourquoi il commence déjà à réfléchir à la place de la Cour constitutionnelle? Qu'il laisse
la Cour constitutionnelle fait son travail. La Cour constitutionnelle a des experts. Ils vont lire les droits. Ils vont évaluer, voir s'il y a des choses qui ne vont pas. Et on va voir si... Est-ce que s'il y a certaines choses qui ne vont pas, il faut qu'on se réfère, il faut qu'on se dise que non, c'est parce qu'ils sont de l'opposition qu'on a invalidé et qu'on sort. Non, moi je pense qu'on ne peut pas gérer aussi le pays dans un sentiment à outrance. On doit gérer le pays avec un cœur, bien sûr, mais aussi avec le droit qui régit nos institutions. Vous êtes acteur politique, on vous la pose également. Est-ce que selon vos analyses, il y aura élection en 2023? Messieurs les journalistes, je crois que pour cette question, c'est à la CENI de répondre. Je crois que vous avez suivi le président de la CENI qui a été invité à une chaîne internationale qui a précisé qu'il y aura les élections. Et il y a certaines personnes, bien sûr, entre autres les gens qui sont dans l'opposition, qui ne veulent pas qu'il y ait des élections parce qu'ils veulent qu'il y ait des arrangements politiques, qu'il y ait glissement, transition pour qu'ils se retrouvent demain dans les institutions. Et là, moi je pense que ce n'est pas ce que le peuple congolais attend. Le peuple congolais veut qu'il y ait des élections et nous, moi aussi je m'inscris dans cette logique de dire que moi je veux qu'il y ait des élections pour que le meilleur gagne. Mais vous y croyez? Oui, j'y crois. Pourquoi? Parce que vous avez suivi, moi je me réfère toujours aux propos du président de la CENI qui a bien souligné, qui a dit que oui, ils sont en train de faire un effort pour qu'il y ait des élections, bien que tous les moyens ne sont pas réunis, mais je crois que nous avons encore un peu de temps, nous avons encore 2 mois, je pense que dans les 2 mois ici, j'espère que les choses vont aller bien et les élections vont bien lieu. Pendant ce temps, il y a une commission de la SADC qui était à Kinshasa et une lettre a circulé sur la toile. Disons que cette commission a jugé, a compris que les élections ne pouvaient vraiment pas se dérouler en RDC parce que selon cette même commission, les moyens ne sont pas bien réunis. Qu'en dites-vous également? Écoutez, messieurs les journalistes, nous devons laisser les Congolais gérer leurs affaires. Nous ne voulons pas que les gens qui viennent de l'extérieur, pourquoi les gens pensent toujours qu'il n'y a que l'extérieur qui peut avoir une tête pour gérer ce pays? Les élections, c'est pour les Congolais. Laissons les Congolais organiser leurs histoires. Si l'opposition pense, parce que moi, à mon humble avis, moi, je pense que c'est toujours l'opposition qui pense qu'il faut avoir... Nous avons d'ailleurs appris parmi les opposants qu'il y a même des candidats des impérialistes. Il y a des candidats des impérialistes. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit céder sur toutes les caprices? Non. Moi, je pense que si... cette commission est venue à Kinshasa en tant qu'un pays qui est respectueux. On les a accueillis, les institutions ont eu le temps de les écouter, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit aller et suivre tout simplement ce que ces gens-là vont dire. Nous devons nous mettre autour d'une table comme des Congolais et des